Tout le monde à bord, la quatrième édition du Beach Trike Show avait lieu à Reyerswiller le week-end du 10 août dernier. Camille Henriot vous embarque avec elle sur le trike de Claude Arbogast, motard depuis 50 ans. C'est une belle journée pour faire une sortie en trike aujourd'hui. Et comme là on fait le run avec le Trike Club, c'est une super balade. Ça fait longtemps que vous faites ça ? Oui. Combien d'années ? Depuis 2007. Avant j'étais motard, à partir de 20 ans. Et là je suis le plus ancien de tous. Ah oui. À 71 ans. Une heure de trajet à travers le Beacherland pour montrer l'engin dont ils sont fiers. Alors un run, c'est pour les personnes qui ne sauraient pas ce que ça veut dire. En fait, c'est un départ à plusieurs sur un itinéraire construit par les organisateurs, en l'occurrence nous. Donc on prend une carte, on regarde un peu le rayonnement par rapport à notre point de départ. Donc cette année, c'était Reyerswiller, donc grosso modo autour de Reyerswiller. Il faut que ça ne dure pas plus d'une heure. Il faut que ça soit des routes qui soient sans danger majeur, donc sans carrefour dangereux. Et puis aussi, il faut que ça soit agréable à rouler. Pour Claude, le plaisir reste le même, lui qui a toujours participé à cet événement. Oui, c'est la façon de vivre ensemble, de rouler ensemble. Et ça fait plaisir de revoir les copains, tous les trikers. Copains et copines. Pour les trikers venus de Lorraine, proche Alsace et des pays frontaliers, c'est le rendez-vous incontournable pour se retrouver et échanger sur leur passion. Pour Hype Strikes, l'association organisatrice, cet événement se prépare depuis un long moment déjà. Ça se prévoit des mois à l'avance, on est à peu près sur 8 mois de préparation, avec évidemment un vote en assemblée générale auprès de nos bénévoles, savoir qui pourrait venir nous aider, savoir où faire l'événement en soi, savoir qui inviter, par exemple qui avoir en animation, etc. Ça demande beaucoup de travail de fond, puisqu'il faut savoir que quand on prévoit quelque chose, il faut toujours prévoir plus. Au programme de cette manifestation incontournable, concert, défi de pin-up, mais aussi pour la première fois, le spectacle de feu de Sian Reyes. Les traditionnels baptêmes de trike ont aussi fait leur retour. Une cinquantaine de personnes ont pu découvrir les sensations qu'ils procurent. Le baptême en trike était super top. C'était déjà une expérience pour moi. Et ainsi une expérience pour mes deux enfants. Donc j'ai un grand garçon qui a 8 ans et un petit garçon qui a 2 ans où j'ai pu profiter avec lui-même de faire ce baptême en trike. C'était splendide pour nous. Le président de l'association se félicite du succès de ce week-end. Oui, franchement ce week-end était bien puisqu'on a eu la chance d'avoir le beau temps déjà. Et ensuite on a eu pas mal de monde, pas mal de clubs de toute la région, même d'ailleurs qui est venu. Donc oui. Moi, je suis satisfait en tout cas de ce week-end. Oui. Une quatrième édition réussie pour Hype Strikes qui devrait sans aucun doute renouveler l'expérience l'année prochaine.